المحطة القادمة حديقة التجارب شان ستاسيون جاردان ديسي. C'était le mardi 4 juin à 14h30 au Jardin d'Issée où il s'interprète la pièce Le bourgeois gentilhomme de Molière par un comédien et 20 marionnettes. Et cela au profit des enfants à partir de 10 ans. Jeanneton, aussi douce que belle. N'est-il pas joli? Et vous le chantez bien. C'est sans avoir appris la musique. Eh bien, vous devriez l'apprendre, monsieur. Hein? Comment on fait la danse? Ce qui m'a fait très plaisir, c'est qu'effectivement, je sentais... le premier rang était très, très attentif. Je ne vois que, moi, en fait. Hein. Je ne me rends pas compte de ce qui se passe derrière. Donc, j'entendais qu'il y avait beaucoup de bruit. J'en voyais les portes qui sortaient. Mais les gens de devant étaient très, très attentifs. Et puis, effectivement, il y a des gens qui sont venus tout de suite en coulisses pour me dire merci. Moi, quand on me dit merci, je suis content. Molière, et c'est là qu'on s'est dit, si on s'attaque à Molière avec des marionnettes, il faut un seul manipulateur, il faut retrouver en fait ce que faisaient les marionnettistes du 18e ou du 19e siècle qui promenaient comme ça dans les campagnes des grands classiques qu'ils adaptaient en fait hein, pour les publics et voilà quoi. Et du coup, voilà, ça nous a beaucoup guidé en fait dans ce travail sur Molière. C'est un travail très très long. Un spectacle comme ça, c'est à peu près un an de travail à chaque fois. D'une part parce que le fait d'être seul en scène, il y a un travail d'apprentissage entre savoir le texte, savoir ce qu'on peut manipuler avec les marionnettes, c'est très très long. Il faut que chaque marionnette soit adaptée en fait à ma main, correspondent physiquement à ce qu'elle doit dire. Il faut que le personnage du bourgeois, par exemple, ait pas l'air trop intelligent, mais pas trop stupide non plus, quoi. Donc, tout ça, c'est... présentation, elle était extraordinaire. Et on sent que le monsieur qui a présenté cette pièce a fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour transmettre le message. J'adore. J'adore ça. J'ai jamais vu quelque chose comme ça, alors je profite. Yeah.